La lumière, c'est quoi? C'est le volume de l'érection. C'est le volume de l'érection. De Mangala. Mangala Kanapu. La lumière, c'est le volume de l'érection. Et le courant électrique. D'après toi, le visiteur, tu appuies sur quoi? Tu appuies sur l'interrupteur, l'ampoule. Automatiquement, le courant vient. Le courant va venir à l'ampoule. Va qu'il y a la lumière. Et puis, la lumière vient. La lumière est claire. Le courant électrique là qui vient là, c'est quoi? Le courant électrique, c'est quoi? C'est le sang. C'est le sang qui vient égorger. Bon, c'est le sang. J'ai dit, l'ampoule, c'est quoi? L'ampoule, c'est le magala. Magala, magala. La lumière, c'est quoi? C'est le bleu, le reste. Et le point électrique, quand le point électrique qui quitte depuis le barrage là, qui quitte depuis le barrage, qui vient à l'ampoule là, c'est quoi? C'est le sang. C'est le sang qui vient égorger le pénis. Et puis le pénis prend le volume. C'est ici, regardez ça. Le sang circule, non? Il n'y a pas comme le courant. Sang. Sang, regardez ceci. Il dit, est-ce qu'on voit sur droite? Qui est en comme quoi? Au rang. La soie qui est au rang, c'est un sang. Tout le sang là, comme sang. Le nom sang. La soie qui est au rang, sang. La soie qui est au rang, sang dans le corps, c'est quoi? C'est les poussières. Les poussières. Poussières. Poussières, c'est quoi? Le sang, vous voyez, c'est quoi? C'est au rang, courant. Et comme quoi électrique, si comme quoi il circule. C'est le sang. C'est le coin électrique qui circule. C'est comme ça. Et l'ampoule, c'est le mangala des montagnes. Et le miroir de la forme des montagnes. Il a aussi sa maison. C'est la forme des montagnes, il a aussi sa maison. Et l'interprète d'un poule en est la sonnerie. C'est la sonnerie de la maison. Et les montagnes avec lesquelles fabriquent leur propre eau sont quoi? Sont les créateurs du point électrique. Et là, on pose les barrages hydrauliques. Là, il se passe une transformation de l'énergie mécanique. Et cette énergie mécanique-là se conserve, dans les conditions-là, se conserve et puis se transforme en énergie électrique. On place des turbines et grâce aux turbines-là, on transforme ça en énergie électrique. L'énergie mécanique, c'est quoi? L'énergie mécanique, c'est énergie cinétique plus énergie potentielle. Il crée une énergie cinétique. Énergie cinétique, tu crois d'abord une énergie potentielle, tu as quoi? Tu as la chute de l'eau là, l'eau qui chute là, des montagnes là, par rapport à tu as la hauteur là, ça crée une énergie qu'on appelle énergie potentielle, et dans la chute, la chute ça a comme une certaine vitesse, et cette vitesse là, ça crée quoi? Une énergie qu'on appelle énergie électrique. Énergie cinétique. Et la somme là donne quoi? L'énergie mécanique. Et dans les conditions de la chute là, au niveau des montagnes là, cette énergie là se conserve. Cette énergie mécanique là se conserve. Et comme vous savez, l'énergie mécanique, l'énergie se transforme. Et par les turbines qu'on place dans ces barrages là, on transforme ça en énergie électrique. C'est comme ça. Les montagnes, on va voir plus quoi. Les montagnes que vous voyez là, les montagnes se déplacent.